Dieu vous salue tous dans le nom de Jésus. Très heureux de vous voir. Amen. Je vous dis un même mot. Je suis aussi pris ici. Ce sont mes jours de repos. Demain, je rentre sur Paris. Je suis à Lyon. Demain, je vais rentrer sur Paris pour les activités spirituelles. Voilà, nous sommes en fin d'année. Je suis en train de bâtir l'église sur Paris. Voilà. Ça me prend beaucoup de temps. Je rentre à Lyon pour me reposer, mais en même temps, j'ai aussi des interventions. Nous sommes en fin d'année des interventions pour aider les gens sur le plan spirituel. Et sans toutefois oublier aussi le Divo. Voilà, donc je m'organise pour avoir du temps au Divo. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Parce que c'est une peine spirituelle, ce n'est pas aussi facile que ça. Voilà. Pendant que je souligne ça de passage, je peux en train de vous donner rendez-vous. Et puis, je peux avoir une autre activité. Il dit que je prie beaucoup aussi, donc le temps que je me repose, le corps a besoin d'être reposé. Voilà, c'est pas aussi facile que ça. Voilà, mais c'est ça le travail. Voilà, donc j'ai mis un bout de temps, je vais essayer, par la grâce de Dieu, de régler certaines choses aujourd'hui, selon la poste que le Seigneur me donnera par sa grâce, afin de pouvoir aider beaucoup d'entre vous par sa grâce. Je vais d'abord m'atteler aussi des urgences rapidement. Voilà, et puis après ça, prendre d'autres cas rapidement. Tout peut se régler en direct, tout peut se régler même à distance, ce que je vous l'ai dit. Voilà, donc voilà, Dieu peut vous délivrer à distance. La main de Dieu n'est pas limitée. Pendant que je suis ici, sa main est là-bas, pendant que nous parlons, il peut directement vous délivrer. Voilà. Voilà, donc j'étais en train de régler un problème d'un monsieur, un jeune homme qui est venu. Voilà, je peux parler avec lui tout de suite là. Je vais régler son problème. Il peut maintenant attaquer d'autres sujets. Voilà. Il est venu la dernière fois. On lui a dit, il est où là? Viens, viens. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Dieu Priva. Hein? Dieu Priva. Ça fait combien de fois que tu viens au centre là? Moi, pour faire, c'est pas ma troisième fois. Pour la première fois, j'étais venu rendre visite à ma mère, puisqu'elle était depuis un bon moment. Ouais, le micro, il est trop fort, ça donne trop. Tu peux diminuer un peu, parce que là, j'entends pas. Tu peux parler sans micro? Ouais, je Oui. parle sans micro. Vas-y. Je dis, la première fois, j'y étais pour rendre visite à ma mère. Tout ça a passé un mois et demi, c'est sans que là-bas, après son accident. Donc, j'ai passé là-bas, pour la première fois. D'accord. Et la deuxième fois? La seconde fois, c'est sous l'appel de ma tante qui vient à vous là-bas en Europe. Je dis la... Je disais que la deuxième fois, je suis arrivé sous l'appel de ma tante qui vient là-bas avec vous ensemble. Pour dire vraiment qu'il y a besoin d'une délivrance totale pour vraiment surveiller les affaires familiales ici. Et puis surveiller mes enfants aussi. Tout ça. Donc c'est ta tante qui veut que tu sois délivré. Effectivement. Hein? Ouais, c'est ma tante qui veut que je sois délivré. Mais toi, tu ne veux pas être délivré. Non, si maman, je le souhaitais, et puis m'a fait appel. Puisque depuis juillet 2018, là, je me suis confessé. Parce que, moi, je te prends encore. Hein. Parce que les mots, là, tu parles bien le français, donc je t'écoute très bien. Quand tu as dit je suis revenu sur la paix de ma tante, ça veut dire que c'est ta tante qui t'a obligé à venir. La première fois, tu dis que tu es venu voir ta mère. OK? Voilà. Et la seconde fois, tu dis que tu es venu sous l'appel de ta tante. OK? N'est-ce pas? Donc, c'est ta tante qui te force à te faire délivrer. C'est pas forcé, elle veut m'aider. Tu sais que tu le viens venir, c'est ça. Mais maintenant, pourquoi tu dis pas? Tu dis pas ça et puis tu dis sous l'appel de ta tante. Bon, frère, comme le français, il est dur, il assis dans sa manière. Non, 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 c'est pas bien le prophète. Non, non, c'est pas bien. Non, mais venir quitter le C'est village. pas très bien. J'ai dit quitter le verre, venir ici, c'est ça. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Je veux comprendre, parce qu'ici, là, on ne force personne. C'est vrai. Et puis, on ne vient pas sous l'air. M'a dit, quand elle m'a dit de venir, là, je viens. Non. Si c'est sur cette base, on ne peut pas t'aider. Parce que ça n'a rien à voir avec ta grande soeur, ta tante, ça n'a rien à voir avec ta mère, ça n'a rien à voir avec un parent, ou la personne. Mais elle dit ça se désire. Si tu désires de se faire délivrer, on va te délivrer. Ok? C'est ça. C'est sur ce principe-là qu'on apporte une assistance spirituelle à une personne qui a besoin d'aide. D'accord? Voilà. Donc maintenant la troisième fois, maintenant que tu es là, ça c'est la troisième fois. Maintenant, la dernière fois, comme tu sais bien le dire,
C'est ta tante qui voulait que tu viennes te faire délivrer. Ça, c'était la deuxième fois. La seconde fois. Mais maintenant, la troisième fois, tu es là pourquoi? Je suis là pour être délivré, papa. Non. C'est ta tante qui a dit de revenir. Bon, au fait, quand avant, ça fait trois jours de cela, que ma mère, quand on a quitté le temps, eux sont repartis sur Abidjan. Non. Donc, laisse-moi les petits détails. Voilà. Ça va trop long, ça un peu long. Mm-hmm. Tu es venu la troisième fois, c'est pourquoi? Je suis venu pour obtenir ma vraie délivrance. Pour obtenir ta vraie délivrance. Ouais. Donc avant, il n'y avait pas de vraie délivrance. Bon, avant, il y avait des gens qui m'ont fait appel aussi. Et c'était pas trop. C'était pas ça. C'est pas ça ce que je souhaite. C'était pas ça. Puisque quand je viens, je descends en famille, en belle famille là-bas. Eux aussi, c'est des chrétiens. Donc eux n'ont pas fait ma délivrance en tant que tel. Donc ça est vous, ils veulent l'avoir. C'est quoi je dis. Donc, ce que je veux comprendre, c'est que tu es là maintenant pour te faire délivrer. Effectivement. C'est pourquoi je suis là. Personne ne t'a obligé. Non, pas obligé, moi. Hein? C'est pas une obligation qui m'amène ici. C'est pas de mon propre que je suis là. Voilà. Donc tu sens le besoin de te faire délivrer. Effectivement. Je suis dans ce Qu'est-ce besoin. Qu'est-ce que te pousse à sentir ce besoin? Qu'est-ce que te motive? Quelles sont tes motivations? Les motivations, ce sont. On te met une pression ou bien quelqu'un dit te force à parler? Non, il n'y a pas quelqu'un qui me force à parler. Mais je ne tiens plus dans le monde des ténèbres. Ah, ok. Tu ne tiens plus? Je ne tiens plus. Hein? Je ne tiens plus. Tu ne tiens plus. Ça veut dire quoi quand tu dis tu ne tiens ça plus? Ça veut dire que pour quelqu'un qui a envie de se repartir et de travailler pour Dieu, comme moi, comme ça, j'ai besoin de sortir de ce monde définitivement. Il y a des risques quand tu veux sortir. Il y a des tentations auxquelles nous sommes opposés. Donc, une fois il n'y a pas protection de Dieu, tu ne peux pas. Donc, il veut une protection due à Dieu et qu'on va comme ça, je suis libéré définitivement. Parce que ouais. Ok, on récapitule. Ça veut dire que tu es venu pour te faire délivrer parce que tu ne tiens plus dans le monde des ténèbres. Effectivement. Ça veut dire que tu es avec le diable. Ça ne me sied pas, ouais. Ça me sied pas. Il ne veut pas travailler avec le diable. Il veut travailler avec lui. Non. Je sais. C'est maintenant que tu es en train de travailler. Donc tu es avec le diable. Dans le temps, j'étais avec le diable. Non, mais réponds-moi, je sais que tu. Réponds mes questions. Tu es avec le diable. Oui. Ok. Et maintenant tu dis que tu ne veux plus envie de travailler avec le diable. Effectivement. Pourquoi? Parce que c'est pas intéressant. Ah. C'est pas intéressant. Quand tu as dit que c'était pas intéressant de travailler le diable. Pardon? Depuis quand tu as su que ce n'était pas intéressant de travailler avec le diable? Bon, ça fait bientôt 6 mois. Hein? Parce que depuis le 30 juin, depuis le temps, j'ai décidé comme ça de servir Dieu. Donc, comme c'est le village, quand tu veux servir Dieu, ce n'est pas de façon appropriée aussi. Parce que tu peux sortir, tu peux avoir la volonté de sortir, mais. Depuis quand tu es dans la sorcellerie? Tu es sorcier ou pas? Depuis l'âge de 3 ans, je suis dedans. Tu es sorcier ou pas? Je suis sorcier, je l'avoue. Voilà. Parce que tu n'as pas encore fait sortir ce mot-là. Tu dis, il a fait des ténèbres. Ça, c'est trop joli. Ça, sinon, on fait les jeux. Je veux plus être la sorcellerie. Voilà. Un chien, on l'appelle chien, un chat, on l'appelle chat. C'est vrai. Quelqu'un qui est voleur, c'est voleur. Quelqu'un qui est menuisier, il est menuisier. Pasteur, il est pasteur. Prophète, il est prophète. Toi, tu es sorcier ou pas? Moi, je le suis. Tu es sorcier ou pas? Il dit, je le suis. C'est que je l'avoue. Le sorcier, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est moi qui t'ai prêté les mots ou bien tu es vraiment sorcier? Ah non, c'est pas vous qui me prêtez les mots. Il y a longtemps, je suis au courant des mots du français. Je les manipule. Donc, tu as longtemps que tu es dans la sorcellerie? Depuis le bas âge, depuis l'âge de 3 ans. Depuis l'âge de 3 ans, tu es dans la sorcellerie? Effectivement. Et donc, maintenant, tu veux quitter? Je veux sortir définitivement et servir le Seigneur. Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce que tu pousses à quitter? Bon, en fait, parce que c'est des choses, on les fait souvent par ignorance. Parce que quand tu es petit, tu n'es pas. Je dis là, il y a 3 ans, c'est que j'étais sur la servitude des parents. Souvent, c'est les parents qui nous amènent à le faire sans que nous on le sache, sans que nous on le veut. Quel âge? Tu as maintenant quel âge? Moi, j'ai 42 ans. Oh. Donc, ça fait plus de 39 ans de pratique de sorcellerie. C'est ça. C'est ça? C'est ça. 39 ans de pratique de sorcellerie. Pardon? Qui t'a donné la sorcellerie? C'est ma mère. Quelle mère? Ma mère qui m'a mise au monde.
elle est non, elle est non, non, et tout ça, elle est la mère qui t'a donné la sorcellerie. Il dit ma mère. Tu as appelé une tante mère, elle est ta maman qui t'a donné la sorcellerie. Ma mère, moi, c'est Bayen Doué, Jeannette. Elle t'a donné la sorcellerie. Effectivement. Tu sais comment tu t'es retrouvé là? Non. Non. Que tu m'as banalisé. Je te dis ça aujourd'hui. Banalisé. Tu m'as banalisé. Non. Et tu as dit aux gens, écoute-moi bien, laisse-moi parler. Tu as dit aux gens que tu n'allais jamais parler dans ce centre. Et moi, je suis rentré dans ma chambre, j'ai levé ma main en l'air pour dire, si Dieu m'a jamais appelé, c'est là que tu as pu revenir ici. Mais si Dieu m'a appelé, tu ne viendras parler. Alléluia. Le pasteur t'a pas. Le pasteur Serge, il t'a pas dit que tu n'as pas sorcier. Pardon? Mon pasteur, là, il t'a pas appelé. Tu n'as pas dit que tu n'as pas sorcier. Il m'a jamais appelé. Ça m'a appelé, il s'est adressé. Non, s'il te plaît. On n'a pas entendu communiquer. Tu es venu ici, là. Tu as refusé de parler, tu es parti. Oui, j'ai dit c'est mon petit frère qui a fait ça. Non. Mais, attends, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ou on continue ou je te laisse. Non, vous pouvez continuer. Voilà. Ou on continue ou je te laisse parce que je ne suis pas en conseil, toi. Voilà, c'est toi qui as besoin de moi, c'est pas moi qui ai besoin de toi. Il y a bien de vous. C'est pas toi qui as besoin de moi, c'est pas moi qui t'ai dit de venir. J'étais même fort surpris. J'ai dit même ce matin, je ne sais pas si tu t'en dis ça, j'ai dit ce matin qu'il faut quitter le centre. Tu t'as pas dit ça? Non. Voilà, mais sinon, le secrétariat, il faut le demander. J'ai dit de quitter le centre. Quand tu es venu, tu as dit quoi? Tu dis que c'est toi en attaque en règle, voilà. Si, je l'ai dit. Ok. Oh, c'est faux. C'est toi qui es le sorcier, on t'attaque pas à rien, c'est toi qui attaques les gens. Donc j'ai dit aux gens, j'ai dit que tu es le sorcier. Ça, j'ai dit ça. Ils m'ont pas dit ça. Voilà, s'ils sont là. Ils m'ont pas dit ça, sincèrement, ils m'ont pas dit ça. Mais j'ai dit, ils m'ont dit ça. Demandez au secrétariat là-bas. Je t'ai dit de partir du centre. Parce que je n'ai pas besoin de toi là-bas. Ça, j'ai dit ça au centre là-bas. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. J'ai pas besoin de toi là-bas. Et c'est toi qui as insisté. Que tu voulais maintenant parler, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Voilà. Donc on revient pour dire, c'est pas moi qui t'ai obligé. Non, personne ne m'a obligé. Tu m'as obligé. Mais comme toi, tu penses être rusé, et comme toi, tu penses que c'est de l'amusement qu'on entend de fête là-bas, moi j'ai parlé à Dieu pour dire que ce jeune homme qui est venu là, il pense que c'est de l'amusement. Alors, si c'est vraiment de l'amusement, qu'il ne revienne plus. Mais, comme il m'a banalisé, parce que tu as dit aux gens que tu vas jamais te faire délivrer ici, que tu as une église qui t'allait te faire délivrer dans même église, tu as ton église, que c'est pas chez nous là que tu as te faire délivrer. J'ai les informations. Mais je te le dis en face. Pour dire, voici quelqu'un qui veut te prendre avec beaucoup de compassion, c'est avec amour que je suis en train de te délivrer. Sinon, tu as trop parlé. Tu as trop parlé. Mais c'est avec amour que je suis en train de te parler. Mais ça m'empêche pas de te dire ma part de vérité. C'est que ma vérité. Je te dis ça d'abord avant d'aller à ta délivrance. Tu as trop parlé et tu ne voulais même pas entendre parler. C'est ça que tu es parti. Tu es venu une fois, tu es parti, tu es venu une deuxième fois. Quand tu es venu là, c'était pour parler. Ce n'était pas pour venir voir ta maman. C'était pour parler deuxième fois. Ça t'a pas intéressé. Là, toi, tu n'as pas intéressé. Tu as parlé. Et c'est moi qui ai mis maintenant la chose en prière pour lui dire, moi qui me banalise, c'est moi qui vais le prendre. Si Dieu ne m'a pas appelé, alors... Il ne viendra pas devant moi pour parler. Mais si tu m'as vraiment appelé pour ce ministère, Dieu, Jésus, qui m'a appelé, permets que ce jeune homme reconnaisse l'autorité, le pouvoir que tu as mis sur moi. Devant moi, toi-même, tu ne sais pas comment tu t'es arrangé pour venir. C'est plus fort que toi. N'est-ce pas? Si. Hein? Il dit si. N'est-ce pas? Si. Hein? Si. Hein? Oui, je l'avoue. Parce que ce n'est pas le seul sens de prière. Ce n'est pas le seul sens de prière. Il y a beaucoup de sens de prière où tu peux te faire délivrer. Il y a beaucoup de sens de prière. Mais moi, je ne banalise pas. On ne banalise pas l'onction et l'autorité que c'est ma vie. Si tu me défies, tu verras le Dieu de mon appel sur ton chemin. Amen. Tu verras le Dieu de l'appel. C'est ça quand tu es venu ce matin. Quand il dit non, il t'en. Et tu dis non, c'est lui-même qui attaque, c'est pas les gens qui l'attaquent. Il n'a qu'à arrêter, c'est l'attaqueur, c'est pas lui qu'on attaque. Donc s'il ne veut pas parler, tu n'as pas parlé. C'est pour ça que je t'ai pris, tu as insisté. Voilà, tu as insisté, et puis j'ai voulu t'écouter. Et non, je t'ai dit, moi je suis prêt à t'aider.
Je suis pas venu, mais vous dites, pourquoi on arrive là? C'est plus fort que toi, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a poussé à être là. Hein? C'est l'Esprit de Dieu qui t'a poussé à être ici. C'est pas fait pour dire, après de Dieu, Dieu là, c'est pas nos camarades. Donc ne jouez pas avec les serviteurs de Dieu. Ne jouez pas avec votre vie. Quand tu nous donnes une opportunité pour parler, n'est-ce pas parler pour vous faire délivrer. Parler pour vous faire délivrer. Il fallait que je revienne sur ça, pour que je trouve cette parenthèse, pour parler un peu de comment c'est fait pour qu'on arrive là. On est arrivé là parce que Dieu a voulu qu'on arrive là. Voilà, sinon, tu étais venu, c'était pour parler, tu es venu, ça fait la troisième fois. Voilà, pour dire, c'est pas de l'amusement. Tu as tué combien de personnes? Comme il a dit tout à l'heure, il a dit plus de 400 personnes. 400 combien? Bon, c'est ça qui m'échappe. Il dit, j'ai fait plus de 400 personnes. C'est 423 personnes, ça passe à t'échapper. Hein? Dieu merci. Toi, tu es beaucoup intelligent. Tu es beaucoup rusé. Bravo. C'est vrai, je suis intelligent, je suis né à ça. Hein? Ouais, je reconnais que je suis intelligent. 423 personnes. C'est pas 400. Ça t'échappe pas. Bravo. C'est vrai. Ou dis, je te connais. Ouais. Voilà. Je te connais. Si tu ne parlais pas, c'est la folie qui allait te prendre. Ça, je te dis. Hein. Si tu ne parlais pas, ton dernier retour sur toi, on allait plus te maîtriser. Parce que c'est ta fin. C'est la fin de ta course. C'est la fin. Comme tu sais bien le dire, que tu es fatigué. Tu n'es pas fatigué, c'est Dieu qui est en train de mettre fin à tes œuvres. C'est Dieu qui met fin à tes œuvres. Comment tu tues les gens? Bon, c'est dans les funérailles en pays, ouais. C'est quand il y a les funérailles, les grands hommes meurent. Les gens arrivent là pour se manifester. Et c'est comme ça, nous aussi, on se manifeste. Non. Laisse-nous faire les funérailles, puis okay. Ouais. Comment tu tues les gens? Comment tu arrives à tuer tes victimes? Comment? Je dis la plupart de mes victimes là, souvent, c'est rien. Parce que quand tu as le pouvoir de la sorcellerie en toi, les gens, eux, ils t'attaquent souvent. Donc quand on t'attaque là, tu ne peux pas t'en passer. Tu es obligé de les tuer avant de passer. Quand ils devaient la faire, si vous me permettez, en novembre, en octobre, j'étais dans ma propre attention, les gens m'ont attaqué à grand nombre. Ils étaient obligés de finir avant de passer. Parce qu'ils m'ont attaqué dans ma propre plantation, ils étaient venus à une sélection, ils sont mélangés. Même mon travail, même qui est là-bas, qui est burkinabé, après, parlé ça à ses parents. Parce qu'ils m'en éveillent là et puis ils vont gagner du sucre, s'approprier de ma plantation. Je peux dire de me défendre, tu vois. C'est comment ça? Comment tu te défends? Bon, je me défends avec mon pouvoir. Mais comment? Explique. Bon, j'ai un pouvoir de lion qui les empêche. Comment ça se manifeste? Bon, vous savez, le lion, c'est un animal qui est... Monsieur, tu dis que tu es un lion. Il se connaît un lion, comment il fait? Et toi, tu es une personne, comment tu deviens un lion? C'est fou, c'est pas fait des... Moi, je me transforme en lion et puis je le prends. Moi, je sais que lion, il vit dans la forêt. Quand tu deviens un lion, comment tu deviens un lion et puis ton pouvoir se manifeste? C'est ce que je veux savoir. Ah, je me change en cet animal féroce. Oui. Et puis quand je suis transformé en cet animal-là, il y a même pas une âme qui m'atteint. Tu sais, là, ce pouvoir, je l'ai eu de mon père. Parce que là, mon père aussi était dangereux, il était un grand. Donc avant de partir, il m'a confié un couteau à lequel je me défends. Quand je l'ai sous moi, mais lui, je l'ai jeté avant d'arriver ici. J'ai renoncé à ça depuis juillet. Donc c'est lui qui me permet de faire fin à mes victimes, de les tuer. Donc, ta maman t'a donné la sorcellerie, c'est ça? Ouais, c'est maman. Et puis ton papa t'a donné un pouvoir, c'est ça? C'est ça. Hein? C'est ça. Le grand frère de ma maman aussi, lequel il a grandi aussi, a fait sa part aussi dedans. Comment il s'appelle? Lui, c'est Bain Clamartin. C'est lui, après lui, ma maman vient. Comment il s'appelle? Bain Clamartin. Il dit, maman s'appelait Bain de Jeannette. Donc voilà, les trois personnes en quelque sorte qui m'ont donné ces choses-là par ignorance. Parce que j'étais petit, bon, là j'étais dans leurs mains. Donc c'est par ignorance, j'ai pris ça. Donc, à tout moment, j'ai envie de me débarrasser de ce pouvoir, sale pouvoir, et puis travailler avec lui. Tu arrives à empoisonner les gens, c'est ça? Non, je n'empoisonne personne. Ça, c'est moi, je n'ai pas ce pouvoir. Non, je vais poser une question. Tu arrives à empoisonner les gens? Non, non. Est-ce que je vois ça dans ta vie? Ah, non. Sinon, j'avais un pouvoir de protection de poison. Non. Tu arrives à empoisonner les gens. Ça, je vois ça dans ta vie. Tu connais Denis?
Si je le connais, c'est mon oncle, celui qui m'a élevé, c'est le grand frère à maman. Hein? C'est le grand frère à maman, c'est après lui ma mère vient. C'est après lui ta maman vient. Mm-hmm. Comment tu l'as tué? Bon, ce monsieur, ça je n'ai pas participé à sa mort. S'il te plaît, si tu parles pas pour bénir, personne ne me dit, hein. Moi j'ai une révélation sur toi. Si tu parles pas, je te laisse. Comment tu as réussi à le tuer? Parce que vous l'avez tué mystiquement et c'est toi qui as pris la tête. Comment tu es arrivé à le tuer? Tu es venu pour parler et tu veux quitter le royaume des ténèbres. Je suis d'accord avec ça. Mais tu ne peux pas aussi venir quitter le royaume des ténèbres et puis garder les secrets du diable. Alors, si tu ne dis pas des choses, Dieu aussi ne va pas te protéger, tu seras exposé. Pendant que tu parles, je sais ce que tu as fait. Mais on ne dit pas pour t'exposer, on te dit pour t'enlever du royaume des ténèbres pour te protéger. C'est tout. On a bon. L'esprit qui t'a poussé à le faire, c'est un esprit qui t'a poussé à le faire, mais tu veux sortir, faire des aveux, et puis toi tu te libères et tu en avances. C'est vrai, j'ai envie de sortir de ce monde-là. Tu veux quitter le monde des ténèbres? Je veux quitter ce monde. Ok, pour parler, comment tu es arrivé à tuer Denis et comment où tu as gâché sa tête mystiquement? Dis-nous combien de personnes qui sont dans sa mort et puis c'est la chose que je veux entendre maintenant pour qu'on avance. Et puis on va bon, le monsieur, les gens qui sont dans sa mort. 42 ans, tu es très jeune. Je te sens beaucoup intelligent. Tu as encore de l'avenir. Il y a 7 enfants, c'est ça? C'est vrai. Ok. Les 7 enfants que tu... Ils ont besoin de toi. C'est vrai. Tu comprends? Ouais. Les 7 enfants ont encore besoin de toi. Mm-hmm. Et la sorcellerie, pour nous, ce n'est pas un fait en soi. Ce n'est pas, non, tu es sorcier. On peut être sorcier, on peut commettre des erreurs. Ça, c'est des pouvoirs. On peut... À t'entendre parler, ça veut dire que ce n'est pas toi qui as acheté la sorcellerie. Dès le bas âge, tu as été victime, ils t'ont donné la sorcellerie. Je peux comprendre. Ok, tu as grandi avec ça. C'est plus fort que toi. Personne ne peut t'amener ça. Il n'y a que Dieu seul. Toi-même, tu ne peux pas. Voilà, donc voici une occasion qui se présente. Mais en même temps, l'occasion veut dire qu'il faut faire des aveux. C'est vrai que ces aveux, peut-être qu'ils vont faire mal. Mais Dieu va te protéger. Voilà, Dieu va te protéger. Dieu fera de sorte que rien ne t'arrive. Ça, je te rassure. Mais si les choses se cachent, les choses t'arriveront. Mais tu as besoin d'être libre avec ta propre conscience et tu as besoin d'être libre avec Dieu. Dieu et ta conscience. C'est pour cela que cette occasion, en or que Dieu t'offre, il faut en profiter pour dire pour que Dieu te délivre de cette situation. Voilà. Donc, moi, je ne te vois pas comme quelqu'un, je ne te condamne pas. Je viens comme quelqu'un qui est en train de t'aider. Voilà, voici l'esprit dans lequel je suis en train de parler avec toi. L'esprit d'aide. Et j'ai plus de compassion pour toi. J'ai plus de compassion pour toi parce que tu te retrouves dans une histoire que toi-même tu ne maîtrises pas. Tu te retrouves dans une histoire que toi-même tu ne maîtrises pas et c'est en train de te détruire et tu es en train de mal finir. Alors Dieu merci que Dieu, dans sa souveraineté, te crée une occasion où tu es en train de prendre conscience que c'est une grâce. Il y a des gens qui meurent à chanceler et qui ne répondent pas. Qui vont en enfer. C'est une grâce aujourd'hui pour toi d'être devant nous en train de parler et pour qu'on puisse t'aider. C'est le seul endroit où aujourd'hui on peut te libérer de la sorcellerie. Ok. Mais si Dieu te libère de la sorcellerie, tu peux bien vivre en société. Et le passé laisse passer. Chacun d'entre nous est passé. Voilà, chacun d'entre nous est passé. Chacun d'entre nous est passé. Nous, on a délivré, il y a plus de 10 000 sorciers. Pour nous, ça ne nous dit rien. Le problème, c'est quoi? Il faut qu'on te fasse sortir de cette situation. Voilà, il faut que tu sors de cette situation et que tu sois en mesure d'être un père digne pour s'occuper de tes enfants. Parce que si tu es encore dedans, ben, tu vas manger tes enfants comme des aboutis, des petits hérissons, les manger. Voilà, donc il ne faut pas qu'on arrive là. Il faut que tu sois heureux parce que c'est plus fort que toi. Tu ne peux même pas être un être humain en même temps que tu as encore des esprits en toi et qui te poussent à faire des choses contraires, n'est-ce pas, ta volonté. Donc, pour moi, c'est une occasion en or
Il faut en parler pour qu'on en finisse définitivement avec cette histoire de sorcellerie, pour que tu sois totalement libéré. Donc je t'écoute. Oui, ce monsieur dont vous parlez m'a élevé sur le grand-père à ma mère. Et avant que maman ne naisse déjà, il y avait une question de sorcellerie dans lui. C'est pas moi qui ai créé ça. Quand moi je naissais déjà, le monsieur déjà était attaqué. Donc, bizarrement, autour de 2003, quand nous sommes arrivés au village, dans sa maladie, nous sommes retrouvés au village ici. Et puis bon, étant leur neveu, parce qu'en pays guéri, quand on veut tuer quelqu'un, c'est le neveu, on fait appel. Mais je sais, moi je sais. Donc, voilà, sais voilà comment. C'est pour ça que j'ai dit que c'est toi qui j'ai envoyé le tuer. C'est vrai. Et c'est toi qui es parti avec sa tête. C'est vrai. Donc, explique-moi comment tu as tué Didi. Et puis on va régler ça. Bon, monsieur, quand les gens m'appelaient d'abord, ils savaient même, d'abord ils l'ont voilé. Parce que étant, moi, ils ne savaient pas que c'était mon nom. Parce que moi, j'ai cherché sa guérison. C'est à lui que j'ai travaillé. Donc ils m'ont fait appel comme ça, parce que comme vous l'avez dit. Donc, c'est après avoir fait le sucre, c'est mon nom. Non, pardon. Alors, tu sais, s'il te plaît, tu sais, faut qu'on soit sérieux. Mm-hmm. On est en train de régler un problème très sérieux. C'est je vrai. Comprends. Je te comprends. Hein. Je comprends que ça peut être. Ça te peine d'en parler. Je comprends parce que je pense que le monsieur t'a beaucoup aidé, c'est ça? Il m'a aidé, il m'a donné la civilisation. D'accord. Et tu as, il avait une boulangerie, c'est ça? C'est ça. Tu as travaillé dans la boulangerie? Effectivement, il a été condamné gérant de la vie. D'accord. Donc, je comprends que ça tu sois peiné, d'accord? Mais c'est ça l'appel à la sorcellerie, tu comprends? Tu comprends? Plus tu en parles, plus ça te libère. Là où tu es arrivé, c'est pas une sorcellerie inconsciente, c'est une sorcellerie consciente. Alors, il y a des choses qui doivent être gardées comme secrets. On est maintenant en train de faire des aveux. Il faut en parler pour que les choses... Pendant que je parle avec toi, ta vie est allée comme ça devant moi. Pourquoi? Parce que c'est l'homme par lequel Dieu passe pour délivrer les hommes. Donc, comme Dieu veut te délivrer, il étale ta vie devant moi. Il met comme ça ta vie devant moi. Parce que, en même temps, Dieu comprend la situation. Ça ne veut pas dire qu'il conscience que tu as fait comme mauvais. Non. Dieu, il veut te faire sortir de cette situation. Non. Mais en même temps, avec ta volonté. Voilà. Même quand on prend quelqu'un en train de meurtre, quelqu'un vient d'égorger une personne. Mais pourquoi on fait son procès? La personne n'est pas besoin d'un procès. Mais on lui demande. Quelles sont tes motivations? Comment tu l'as tué? Voilà. Vu qu'on l'a pris en fondant des livres, pourquoi tu l'as fait? Et puis la personne t'explique. C'est la manière de parler de cette personne. On peut dire non, elle a quitté, bon, on prend. Donc, tu prends. C'est comme devant Dieu, tu es. C'est les ténèbres, les choses des ténèbres, vous n'aimez pas dire. Maintenant, on est devant la présence de Dieu. C'est les choses qu'il faut étaler. Tu comprends? Il faut étaler. Et puis maintenant, on va invoquer Dieu qui t'a poussé à être là aujourd'hui. N'est-ce pas? En fait, de te délivrer définitivement pour que ça soit une histoire passée, ça soit du passé. Voilà. C'est vrai, c'est une histoire, c'est une partie de ta vie très noire. Mais il y a la lumière, Dieu c'est lumière. Voilà. Dieu même, là, il n'a pas. Je ne dis pas, bizarrement, Dieu prend les mauvaises personnes. Ça, je te dis aujourd'hui. Dieu, ce n'est pas parce que tu es mauvais qu'il va te rejeter. Non. Dieu, c'est ta sincérité. Est-ce que tu veux continuer avec le diable? Si oui, il te laisse. Si non, quand tu commences à parler, c'est ta manière de parler tout ça. Il comprend. Parce que c'est plus fort que toi. C'est un neveu qui tue. C'est l'enfant qui tue. Voilà. Donc, c'est toi que j'ai envoyé. Explique-nous. Textuellement. Il a été attaqué par la sorcellerie, par les masques du village. Et toi-même, tu sais. Maintenant, comment ils t'ont envoyé? Parce que c'est toi qui dois le tuer. Comment tu l'as tué? Donne-nous les détails. Ce détail-là, si tu l'as donné, je saurai que tu es prêt à changer. Je vais t'aider. Ah, c'est quand tu le tuais, j'étais là. Pardon? Quand tu le tuais, là, j'étais là. Non, vous ne tuais pas là. Mais comment je dis son nom? Pourquoi je dis c'est toi qui l'as tué? Pourquoi je dis ça? Ah, c'est ta vie est allée tomber devant. Ouais, c'est vous, c'est Dieu qui voulait monter. Non, comme je le disais, hein? Comme je le disais tantôt, j'ai dit, il m'a fait appel. Parce que c'est un monde. Qui t'a fait appel? C'est ses parents. Mes parents, son grand frère, ses deux oui. Grands, il y a son grand frère, il y a ma et mère, voilà, ma mère, son, voilà, ma oui. Mère, son grand frère, leur grand frère, non, le plus âgé, a eu leur entourage, c'est-à-dire, c'est une. Voilà, leur entourage. Oui, combien de personnes bon, c'était beaucoup, ça, ils ne pouvaient pas le comprendre. C'est 19 personnes.
Moi, j'ai dit le chiffre. C'est 19 personnes. Vrai ou faux? C'est vrai. Ok. C'est 19 personnes. Mm-hmm. Dans la mort de Bini, il y en a 19 personnes. Ouais, c'est vrai. Je suis en train de te dire. Vous m'aidez comme ça. Je veux qu'à partir de Divo, je veux qu'à partir de cet endroit de Divo, là, et que tu reprends ta dignité d'homme. Parce que le diable ne peut pas tout le temps t'utiliser comme ça. Non. Tu ne peux pas aussi vivre dans les ténèbres tout le temps. Et qu'à partir de cette rencontre de Divo, et que tu puisses vraiment être un homme normal. Il n'est plus sous le contrôle d'un esprit. Et que tu vas à tes occupations, et que tu réussisses dans ta vie, et que tu sois en mesure de donner, apporter de l'assistance. Nous le savons très bien à l'Ouest. La sorcellerie, comme les gens veulent gâter la vie des gens, on leur donner ça. En fait, tu vois physiquement, et puis tu peux avoir la chose. C'est plus fort que toi. Donc, je veux que tu parles. Parce que quand tu dis que tu ne donnes pas des chiffres, tu as des chiffres. Bon, comme chez vous, vous avez peut-être ce petit truc-là en vous, vous ne dites pas les choses. Nous, c'est une question de lumière. On a la seule capacité de détailler. Parce que moi, quand je te prends, c'est qu'il y a toutes les informations sur toi. Voilà, c'est spirituel, j'ai toutes les informations. Et puis, je parle avec toi. C'est toutes les informations. Rien n'est méchant. Toutes les informations, parce que je veux t'aider. Voilà, donc, comme moi, ta maman est dedans, ses frères, les 19 personnes, compris toi, 19 personnes, comment c'est toi, pourquoi c'est toi, ils ont délégué, ils ont envoyé pour toi en mission pour le tuer. Bon, ils m'ont fait appel, je ne voudrais pas, mais je sais, quand tu ne veux pas, on tombe sur toi là-bas. Parce que moi, je suis petit. On ne voudra pas le faire. Non, tu es petit, mais tu es fort. Non, pas, vous voyez, je ne peux pas être. Moi, je ne peux pas être. C'est celui qui peut répondre à toi. Non. C'est pas. Faut pas non. Non, il ne faut pas parler de. C'est parce que tu as un pouvoir en toi très puissant qu'on t'envoie en mission. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Oui, on ne peut pas te prendre, non. C'est qu'à pétition, on allait ramasser les petits dans la rue, les envoyer. Ils savent, tu connais ta compétence. Tu connais ta capacité de frappe déjà. C'est ça. Et c'est comme ça qu'ils m'ont fait, fait appel. Parce que là, c'est le grand frère de ma maman. C'est une longue histoire. Je vous ai dit que ça a commencé. Moi, je n'étais pas encore né. Ouais. Donc, je n'étais pas encore né, ça a commencé. Donc, au dernier moment, ils m'ont fait appel. Puisque j'étais déjà sur les lieux, il fait qu'on me fasse appel en tant que leur neveu. Parce que c'est le neveu direct qui donne le dernier mot. Et ma maman m'a dit, il était, donc il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas m'en passer. Puisque la mère est là. Les vrais parents sont là. Donc moi, étant le neveu, je n'ai aucune décision. Là, les gars, il faut que j'explique ce qu'ils disent. Alors, ouais. Comment ça s'est passé? Oui, donc tu as exécuté, mais comment ça s'est passé? Ah bon, c'est une histoire qui s'est passée. C'est une histoire de famille. Parce que là, quand on veut tuer la proie, c'est une proie familiale. Tout le monde est là. C'est chez nous là. C'est chez nous là. Si tu ne détailles pas les choses, il sera difficile qu'on avance. C'est quand tu détailles les choses qu'on voit ta sincérité et que tu mets les choses à nu. Il faut mettre les choses à nu. Voilà, on a besoin de plus de détails. C'est de ça que j'ai besoin. On t'a envoyé l'éliminer. Mm-hmm. Ok. Voilà, donc tu es venu et tu as exécuté cette mission. Tu es allé, tu as dit, tu as obéi. Parce que c'est fallait toi, à cause du pouvoir qui était en toi, il fallait tuer Denis. Maintenant, comment ça s'est passé? Vous l'avez tué comment? Tu rentres dans les détails. Voici comment j'ai procédé. Voici comment j'ai procédé. Voici comment l'a tué. Voici comment j'ai pris sa tête. Voici comment j'ai fait. Ça me suffit. Pour voir ta sincérité, c'est suffisant. Ouais, les détails déjà ont été donnés. Quand ils m'ont fait un appel, ils disent ma mère est dedans. Oui. Ses frères, mon direct sont dedans. Il y a ses soeurs, non, qui étaient dedans. Vous voyez? Donc, moi, mon que ce soit, même ma réaction, ça n'a aucun impact à ce niveau. Non, je comprends. Faut pas te. Mais c'est un couteau. On a compris. Ce côté-là, j'ai bien compris. Okay. Maintenant, quand on t'envoyait à la mission, on n'envoyait pas n'importe qui aller tuer quelqu'un. On envoie quelqu'un qui peut. Sinon, si tu ne pouvais pas, on n'allait pas t'envoyer. C'est vrai. Effectivement, c'est toi qui pouvais le tuer. Donc, dis-nous comment tu as procédé, comment tu as fait. Tu as exécuté quelque chose puisque c'est toi qui l'as envoyé. Donc, explique-nous comment ça s'est passé. J'ai vu beaucoup de personnes, comme l'a dit, il y avait 19 personnes, il y a les femmes, les garçons. Ouais. Je suis arrivé, comme je vous l'ai dit, ils m'ont donné un couteau, parce que le père même avait un couteau là, à lequel on prenait pour égorger. Donc, comme il est allé le monsieur, au départ, ils l'ont voilé. Donc, ils m'ont donné le couteau, j'ai coupé sa tête. Ils m'ont dit, si tu veux, voilà. Ils m'ont donné un couteau qui ne m'appartient même pas. Ouais. Et puis, j'ai fait ça.
Tu as pris la tête? J'ai pris la tête. Ok. Et quelle a été ta réaction de ta maman? Bon, ma mère aussi. Bon, au fait. Parce qu'elle était dedans, donc elle n'a pas de réaction en tant que telle. Donc là, elle veut que la mission soit accomplie. Parce qu'en fait, lui, sa mort, ça nécessitait un remboursement de crédit. Parce que leurs parents ont mangé dans le temps pour les gens. Donc il fallait que pour lui, ça donne. Voilà comment ça n'a pas duré. Parce que ses parents ont mangé pour les gens aussi dans le temps, avant que maman ne naisse. Donc pour lui, là, c'était vraiment. On ne pouvait pas recaler la situation. Parce que là, c'est un remboursement de crédit. D'accord. Et quels sont les gens que tu as gâtés dans la famille? Bon, là à ce niveau, je n'ai pas pris la peine de gâter quelqu'un. Non, ça seulement que j'étais conscient avant de quitter la ville, venir au village. Mes parents, lesquels vous êtes là-bas, c'est avec eux que j'ai grandi ensemble. Donc ils m'ont donné la promesse que leur réussite, c'est ma réussite. Donc c'est à ça que je songe. Mais à un moment donné, ma maman a mis la barrière entre mes parents là et moi. C'est ce que j'ai gardé tout simplement en cœur. Parce que ma maman a fait le pareil. Elle a eu confiance à mes demi-frères là-bas. Donc voilà comment souvent je suis là. J'ai dit, quelles sont la vie des gens que tu as gâté? Sorcellerie, t'as tué et ça gâte. Donc tu ne peux pas, moi, me dire tu n'as pas gâté. Moi, je sais. Mais je t'ai beaucoup aidé dans les révélations. Quelles sont la vie des gens que tu as gâtés? C'est vraiment important. Parce que plus tu dis, plus ça les libère. Ils sont partis. Père à leur âme, père. Voilà, ils sont morts. Maintenant, il y a des victimes. Il y a des gens qui sont victimes. Voilà, des attaques, des tuiles, et tout ça. On a besoin aussi de prier pour eux. Voilà, on ne t'en voudra pas. Parce que des gens t'entendent parler. Bon, si tu veux, tu es victime aussi de beaucoup de choses. Voilà, donc on a besoin de prier pour ta délivrance, mais attends, il faut que tu dises aussi des choses pour qu'on puisse aussi libérer des personnes que tu as détruites. Ça fait un mensonge sur le processus de délivrance. J'ai dit, pour ce qui concerne ce plan-là, sur ce plan de gâter la vie des gens-là, vraiment, ça. Je ne peux pas mettre la main au feu de ce que je n'ai pas fait. J'ai avoué ce que j'ai fait. Mais pour ce qui concerne pour gâter la vie de mes parents là, ça, entre la terre et le ciel, je dis c'est mes parents, je songe à eux. Je veux qu'ils m'aident. Parce qu'ils sont allés en Europe, moi je songe à eux pour qu'ils m'aident. Mais ce qu'il y avait encarné dans mon cœur, je dis c'est ma maman qui a semé ça. Je dis, pour gâter la vie de quelqu'un, ça, je ne suis pas dedans. Je dis maintenant. Non, ce n'est pas toi qui es dedans. C'est qui encore la gâte. La sorcellerie, c'est pas vers les secteurs, mon secteur. Je ne suis pas dedans. Non. Pourquoi me dire que je ne suis pas dedans? C'est qui en toi là? C'est plus fort que toi. C'est pas question de je ne suis pas dedans. Toi, tu ne peux pas te maîtriser. N'est-ce pas? Si. Tu dis, tu as fait un rêve, on t'a demandé un poulet. C'est vrai. Poule. C'est pourquoi? C'est pourquoi le poulet? La poule là, c'est qui? Bon. Ça, c'est le côté de. Ça, c'est de mon côté là-bas. J'ai fait un son, un jour, un neveu est venu me demander. Poulet. Et je lui ai dit que j'ai descendu tous mes poulets. Et il s'est fâché, il est parti. Donc le poulet, en quelque sorte, dans nous, en pays ouais, c'est synonyme d'une personne. Quand on demande un poulet dans un son, c'est comme donc, on demande de quelqu'un. Et il y a une femme, il y a ma tante qui est chez moi là-bas, qui n'a pas fait enfant, et qui veut quelqu'un pour payer son crédit. Un ancien crédit où nous n'étions pas nés. C'est pas moi, j'ai refusé quelque chose. Et c'est cela que on t'a envoyé pour tuer Sylvie, celle de Suisse là, c'est ça? Non. Parce que celle de là-bas, attendez. Non, laissez-moi. Mais on est en train de régler un problème sérieux. S'il te plaît, je suis en train de régler un problème très sérieux. Voilà. Je sais tout ce qui se passe. Je suis en train de t'aider. Le poulet qu'on est en train de demander, effectivement, c'était Madame Seine, Sylvie. Moi, ça ne me dit seulement rien. Mais c'est pour dire, effectivement, la poule qu'on te demandait, lui, là, c'était ça. Mais tu n'as pas pu donner. Non. Parce que tu peux. Voilà. Ça, j'ai refusé. Non, ce n'est pas parce que tu as refusé. Tu ne peux pas parce qu'elle est protégée. Tu n'as pas pu la prendre. N'est-ce pas? Si, c'est sûr, il a refusé. Non, tu ne peux pas refuser.
T'as révisé. Toi, tu ne peux pas. C'est parce que tu n'as pas pu la place. Toi, la sorcellerie qui est en toi, tu ne refuses pas. Sorcellerie ne refuse pas. Si sorcellerie refusait, il y a beaucoup de gens qui ne l'avaient pas tué. La sorcellerie ne s'est pas dit non. C'est ça le mal aujourd'hui. La sorcellerie, là, ça ne s'est pas dit non. Tu comprends? Ça ne s'est pas dit non. Quand tu fais rêve, et quand tu dis on a fait rêve, on m'a demandé poulet. Le poulet, la poule, quand tu demandes, c'est Sylvie. Madame Sonny, c'est pas ça? Ah, comme vous le dites, moi, j'ai dit c'est boulot à demander. C'est ça, c'est pas ça, c'est comme ça, c'est pas comme moi, je dis. Je t'ai béni au départ, si tu ne veux pas parler. Ah, mais j'ai dit, comment j'ai engagé la parole, je ne peux pas retourner. Non, comme tu pas parce que j'ai dit, mais je sais que c'est vrai, ce que je dis là, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, et qu'il y a des choses, tu ne dois pas tourner là-dessus. On va, il faut qu'on te dirige de ça. Ok. Sinon, on continue, si tu veux, on arrête. Non, on va continuer. C'est vous, j'écoute. Non, tu ne parles pas la vidéo, on continue comment? Tu lui dis que c'est ce que lui dit à ses élèves. Et toi, tu dis quoi? Moi, c'est moi qui t'ai envoyé. C'est pas vous, ma mère. Oui, comme je n'entends pas mieux. Il y a même temps que tu pars sortir, tu parles la vérité, c'est un mentir. Sortir, il y a quand même vrai, tu dis la vérité. Donc, pendant que tu pars, il y a plein de choses que tu ne vas pas vouloir dire. Ah. Et moi, je te mets sur le pied, je te dis, voici ce que tu as fait. Voilà. Pourquoi tu tournes, 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 tournes? Non, je ne tourne pas. Tu tournes. Qu'est-ce que tu veux juste? Ouais, mais c'est ce que j'ai dit, je n'ai pas donné. Je n'ai pas passé. Non, c'est pas parce que tu ne peux pas donner, elle est protégée. C'est ça le problème. Tu ne peux pas donner. Tu n'as pas pu la prendre. Tu as échoué. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu la prendre. Je n'ai pas pu. C'est ça. On a oublié de te forcer pour ça. On a oublié de partir. Pourquoi tu es orgueilleux comme ça? Pourquoi tu es une fierté en toi? Comme si tu es en train de taper. Puis tu penses que tu as encore ton pouvoir des orgueilleux. Non, il y avait besoin de ce pouvoir. Là, il n'est pas venu. Tu es encore quelqu'un qui est trop fier, qui est en train de tout. Ça, c'est pas celui passé. Avec Dieu, c'est l'humilité. Il faut te humble. Il faut t'humilier. Parce que c'est ce que tu as fait. Et pour que Dieu puisse t'aider, moi je te force pas. Moi je dis à Dieu, s'il ne m'a pas appelé, toi tu ne viendras pas ici. Mais s'il m'a appelé, tu viendras te confesser devant moi. Tu tournais là. Moi je savais que tu allais, j'allais te prendre pour en parler. Parce que tu as trop parlé. Hein. Tu as trop babardé. Toi tu n'étais pas prêt à venir confesser devant moi. Ce qui te pousse à être devant moi, devant toi, ce qui t'a poussé devant moi, que tu sois devant moi aujourd'hui, c'est la force de Dieu. Ça, il te dit la vérité. C'est la force de Dieu. Et puis c'est l'ajustement de ma prière, la confirmation de mon ministère, de mon appel. Voilà, point. C'est pour Jésus. Quand tu parles trop, tu me parles trop. Et puis un jour, matin, tu es devant moi. Voilà. Et puis toi-même, tu es frère, tu dis, ah, le monsieur là, oui. Et puis c'est moi qui suis en train de t'aider. C'est comme ça que je suis. Voilà. Tu as fait tellement de vilaines choses. Tu as fait trop de vilaines choses. Voilà. Dieu aimerait que ça soit du passé. Voilà. Mais tu es beaucoup hésitant. Tu es beaucoup hésitant. Je te comprends, tu es beaucoup hésitant. Mais non, le travail que je fais, ou du moins ce que Dieu aimerait, c'est de parler. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles pour que tu sois totalement libéré. Il faut que tu parles pour que tu sois totalement libéré. Si tu veux, on poursuit. Si tu ne veux pas, on arrête le processus. Non, on est là. Nous n'arrêtons pas. Avançons. Donc, il s'agissait maintenant de le poulet que tu as vu. Tu as demandé d'envoyer un poulet, c'est ça? C'est ça. Hein? Le poulet, c'était qui? C'était Madame Sen. Oui. Donc, tu t'es fait quoi avec elle? Bon, la dame qui m'a demandé, la dame qui a envoyé le lieu vers moi, elle dit qu'elle a un crédit qu'elle doit payer, depuis un bon moment. Donc moi aussi, elle dit qu'il y a un crédit, on l'accuse. Parce que le crédit sorcier, lui, il ne reste pas un mois. Si c'est 100 ans, 200 ans, tu dois payer. Mais si c'est 1000 ans, non, je dis, comme coupé. Voilà, le crédit ne reste pas. Si tu l'as même avant que tu le laisses, avant que tu le laisses là, si ton en arrière grand-père a mangé, l'arrière petit, tu dois payer. Mmh. Ah, c'est comme ça se passe. D'accord. Donc ils t'ont demandé comment c'est passé? Qui t'a envoyé? Qui t'a demandé? J'ai dit c'est une de leurs tantes. C'est une de leurs tantes. Voilà.
Elle n'a pas de nom. Elle s'appelle Hélène, aussi à Hélène. Elle est où? Elle est dans le village là-bas, où nous sommes ici. C'est sa mère qui a envoyé ma mère là-bas. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, comme on n'a pas vu son âme, actuellement, les vents le goûtent après encore. Ils disent encore, vous savez, c'est dur, hein, comme c'est dur, comme je le dis là. C'est dur. C'est quoi, il y a besoin de votre protection. Parce qu'au sortir d'ici, si non, je ne suis pas protégé. Je serai protégé par Dieu. Ouais, non, vous êtes l'homme de Dieu. Vous êtes un Dieu par. Non, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Non, il ne dit pas Dieu, que vous êtes Dieu. Je ne suis pas Dieu, je le sais. Ok. Mais voilà, je te donne, je t'explique comment ça se passe. Je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas moi qui te va te protéger, c'est Dieu qui va te protéger. Amen. Je vais prier pour que le Dieu que je prie te protège. Voilà, je ne suis pas un protecteur. Je ne peux pas te protéger. C'est Dieu seul qui peut te protéger. C'est lui qui est souverain qui peut te protéger. De la même manière qu'il assure ma protection, je crois que si tu essaies, il assurera ta protection. Voilà, il faut comprendre ça comme ça. Mais cela va partir aussi de ta sincérité. Si tu es sincère, tu bénéficieras de l'aide de Dieu. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut que tu nous expliques. Comment c'est passé et puis t'ont demandé son âme et tu n'as pas pu voir son âme? Qui t'a demandé l'âme? Comment c'est problème? J'ai besoin de toutes ces informations. Oui, mais je dis, c'est leur tante de là-bas qui me pousse à le faire. C'est elle qui me demande l'âme. Alors quoi? Je dis, c'est leur tante qui me demande l'âme. Qui te demande ça? C'est leur tante qui me demande ça. Et puis, pourquoi c'est toi qu'on va pour demander? Parce que c'est toi qui est le plus fort, c'est le neveu qui a le plus. Je suis le neveu. C'est en cela que je suis exposé. Je dis quand le neveu en pays ouais, c'est le neveu toujours en envoie en mission. Oui. Donc comme je suis le neveu, voilà comment les gens passent toujours, ils veulent toujours m'utiliser pour que je fasse ces besoins de mission. Non, pas parce que tu es neveu. Comme tu es neveu et grand sorcier. Ah oui, ouais. Et non, il y a beaucoup de neveux. Mais toi, t'es le neveu. Ouais, c'est le neveu sorcier qu'on envoie. Comme je suis le neveu sorcier, c'est pour que les gens m'envoient en mission. Comme elle aussi, maintenant, elle est protégée par Dieu. Donc, on n'a pas pu saisir son âme. Et c'est en cela, maintenant, moi, je renonce à tout. Pour dire à partir de cet instant, maintenant, je vais tout arrêter. Donc tu as essayé de venir prendre l'âme de Sylvie Saint, c'est ça? Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Comment ça n'a pas marché? Parce qu'elle là, elle est protégée par Dieu. Parce que quand on parle d'instrument, c'est la flamme qui sort. Donc là, on ne peut plus. Comment? Il dit quand on parle d'instrument, c'est une flamme qui sort. Hein? Donc là, on ne peut pas. Hein? Si tu insistes. On parle d'instrument. Il dit quand on parle d'instrument, c'est une flamme, une puissance qui sort là. Hein? Le feu. Hein? Comme vous dites le nom de celui du Panamse, mais c'est le feu qui jaillit. C'est ça. Vous voyez le feu, la flamme. Vous voyez la flamme. Merci. Ça, vous avez effrayé. Voilà, ça nous a effrayé. Tout le monde s'est dispersé. C'est en cela que maman, je vais me répandre et quitter ce monde là, définitivement. Et là, tu as vu qu'il n'y a rien à faire de sorcellerie. Il n'y a rien dedans. Ah, bien, ce n'est qu'un monde. C'est éphémère. Ça n'a pas de suite. Et tu veux vraiment quitter? Peut-être mieux, tu donnes droit à ça même au siècle des siècles. Ok, ça c'est une petite partie de tes aveux. Demain, on va te mettre sous jeûne. Tu vas jeûner. Tu vas jeûner jusqu'à 18h. Prier, demander pardon à Dieu. Et puis, je vais te reprendre dimanche pour achever le travail. D'accord? Ok. Dimanche, hein? D'accord. Ouais, je suis d'accord. Parce que. Je suis d'accord. C'est moi qui conduis des choses. C'est toi qui as besoin de moi. Hein. Ouais, c'est toi qui es venu. Ça, je le sais. Donc je ne ferai pas comme tu veux, je fais comme Dieu me demande de faire. Non, c'est pas moi qui décide. Hein. C'est pas moi qui ai le flambeau de la décision. C'est vous qui conduisez les affaires spirituelles, donc c'est vous, moi je tiens. Allez. Mets ton genou, tu vas accepter Jésus. J'aimerais que tu te mettes en genou. Tu as un gros sac qui est là-bas dedans. Mon gros sac là, il y a mon testament dedans. C'est les revues chrétiennes qui sont avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je décide de t'accepter hein, comme sauveur. Comme sauveur.
Seigneur. Le Seigneur. Personnel. Entre dans mon cœur. Dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Et fais de moi. La personne. Que tu désires. Que je sois. Merci de m'avoir pardonné, Père. Et merci de me laver. Merci de me purifier avec ton sang. Merci de me purifier avec ton sang. Et dans le nom de Jésus, je vous dis Amen. Dans le nom de Jésus, je vous dis Amen. Merci pour le salut qui est entré dans sa vie aujourd'hui. Merci. Merci de faire grâce à ce bien-aimé. Merci pour sa grâce et sa vie. Merci de te manifester pleinement dans sa vie. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Ok, nous allons poursuivre le reste des aveux.